En fait, ce truc qui était donc qui est connu comme étant un des plus grands comédiens africains de notre époque, moi j'ai eu la chance de le connaître très très bien parce que déjà quand on était à l'université, il avait joué dans un premier film d'un de nos professeurs, ça s'appelait Le Courage des autres. Je pense que c'est après ce film-là d'ailleurs qu'il s'est rendu en Europe pour commencer sa carrière international. Et donc, quand nous, on l'a retrouvé après en France pour nos études, donc c'était presque tous les jours, on était chez lui, on était ensemble. Et ensuite, quand il a joué donc dans les premiers films que son fils Danny Kouyaté a réalisé, et qui est donc mon collègue de Sahelis, à savoir donc Keïta de bouche à oreille, et puis Sia le rêve du python, on a été encore plus proches. Aussi bien sur le plan de l'amitié comme ça, que sur le plan, on l'appelait tous le vieux, que sur le plan professionnel. Et quand je partais pour chercher Sotiri Kouyaté pour l'amener sur le plateau, parce que nous on commence toujours très tôt quand nous tournons nos films, donc sur le tournage de Sia, le rêve du python, je partais le chercher tantôt à 6h du matin, tantôt à 5h du matin, mais à chaque fois que j'arrivais à son hôtel ou d'autres fois à sa villa, je trouvais que le vieux était assis depuis peut-être 1 à 2 heures en train de retravailler sur le scénario, qui avait l'air d'être déjà parfait parce que c'était passé devant toutes les institutions, mais il trouvait encore des choses à améliorer dans le scénario. Et je disais, mais le vieux, tu es en train de travailler à cette heure-là. Il disait, toi, tu es, bon, je ne sais pas pourquoi il m'appelait comme ça. Il me disait, il n'y a que le travail qui paye. C'était comme ça qu'il réagissait. Il trouvait que c'était normal de passer sa vie à travailler et à travailler. Même les choses qu'on trouvait parfaites, d'essayer de retravailler ces choses-là. Et donc moi j'ai retenu la leçon que en fait rien n'était acquis et qu'il fallait toujours redoubler de travail pour aller plus loin. Je sais qu'il y a certains comédiens quand ils jouent dans un ou deux films et qu'ils ont eu une petite récompense. Ils pensent déjà que leur carrière est gagnée et que c'est fini, qu'ils peuvent dormir sur leur laurier, alors que le vieux passait le temps à se remettre en cause. Et d'un film à l'autre, on sentait qu'il s'était encore amélioré. Moi, je me rappelle encore quand il avait eu le grand rôle dans la fameuse pièce de théâtre qui a fait le tour du monde, qui a été traduite dans toutes les langues, qui a été jouée dans toutes les langues, qui s'appelait donc le Mahabharata. Je pense que c'est dans la langue indienne que ça s'appelle comme ça. Bref, c'est une grande pièce de Peter Brooks. Et donc, ça se jouait d'abord en français, parce qu'on était en France, ensuite en anglais. Et Sotiri ne parlait pas anglais à l'époque. Et donc, le rôle en anglais était destiné à quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai eu la chance de voir le vieux se mettre à l'anglais et de commencer à travailler cette pièce-là en anglais. Et je pense que ça faisait même rire le grand metteur en scène Peter Brooks lui-même, parce qu'il se disait, il va jamais pouvoir jouer cette pièce en anglais. Et au final, c'est Sotiri qui a joué cette pièce en anglais. Je me suis dit, ça c'est un homme téméraire, ça c'est quelqu'un qu'il faut suivre, il faut suivre son exemple. Et nous autres, on travaille peut-être 12 heures sur 24. Il y a des mois où je travaille 14 heures, je trouve que ce n'est pas suffisant parce que lui, je ne sais pas combien d'heures il travaillait par jour pour être à ce niveau-là, et malgré son âge à l'époque. Ben, c'est ce que je peux dire de Sotiri Kouyaté. Et quant à revenir donc avec ceux qui ont eu l'idée géniale de créer donc les Sotiri ou la nuit des Sotiri, je ne peux que me réjouir parce qu'en fait, ça devrait venir depuis longtemps. Parce que depuis combien de temps Sotiri est célèbre jusqu'à sa mort? On avait eu le temps, on avait le temps de créer donc cette nuit des Sotiri, mais c'est pas grave. Si ça se fait aujourd'hui, c'est un grand hommage à ce grand homme. Et je trouve que c'est une idée qui est très bien. Et j'encourage ceux qui ont eu l'idée donc de faire ce Sotiri. Et il faut qu'il voie grand comme l'était ce grand acteur burkinabé. Et qui n'appartenait pas au Burkina seul, qui appartenait au monde entier. Parce que quand il marchait dans les rues à Paris, c'est un des rares comédiens que tout le monde se retournait pour voir parce qu'il était connu même dans la rue. L'Europe, c'est grand, hein? Tu peux être un grand comédien, tu marches dans la rue, on ne te reconnaît même pas. Mais lui, tu es sûr que quand il partait d'un métro à l'autre, tout le monde savait que c'est Sotiri Kouyaté qui passait par là.
Et donc, c'est très bien de rendre enfin hommage à ce monsieur-là, une nuit de ce genre-là, pour récompenser les comédiens. Parce qu'en fait, ceux qui font les films, tu as beau être un grand réalisateur ou un petit réalisateur, s'il n'y a pas de comédien, tu n'as pas de film. À part ça, Charlie Chaplin, et qui ne jouait pas seul d'ailleurs, qui était son réalisateur et qui était aussi son comédien, ou quelques rares comme Clint Eastwood. Je pense qu'il faut, on a toujours recours à des comédiens. Et en général, dès que le film est fini, ce sont les réalisateurs qui se pavanent dans le monde entier. Et à peine s'ils remercient les comédiens qui ont tenu les rôles les plus difficiles, ou même les petits rôles, parce qu'il y a des gens, quand ils jouent même 30 secondes dans le film, ils sont remarqués. Et c'est bien qu'il y ait une nuit comme ça pour enfin leur donner toute la place qui leur revient. Et c'est pour ça que je félicite donc les initiateurs de cette nuit des Sautillés.